24 heures nouvel an lunaire à Paris. Je mets ma robe rouge et c'est parti. 2023, c'est l'année du lapin. Direction Paris 13 pour faire mes activités préférées autour du nouvel an. J'adore l'ambiance du quartier. Durant cette période de l'année, c'est magique. On passe devant un spectacle de danse du lion. Les lions sont trop mimi. Je peux les regarder danser des heures. Puis je vais chercher des fleurs de pêche ou mes croix, symbole de bonheur et de prospérité, chez la meilleure fleuriste du monde, ma mère. J'en profite pour l'embarquer pour le déjeuner. On va manger à son QG, Sinorama. Je suis trop contente car les baguettes matchent avec mon outfit et on se régale avec nos plats chinois préférés. Puis on digère en se promenant vers Tang Frère car pour les fêtes, ils mettent des fleurs et un grand lapin à l'entrée. C'est super sympa pour prendre des photos et c'est gratuit quoi. J'ai une petite faim, donc go pâtisserie de saison. Je prends des feuilletés, des gâteaux de nouvel an traditionnels, des baozi et surtout ce magnifique gâteau rongbao. Il est trop bien décoré, regardez les détails. Et non, il n'y a pas d'argent dans les enveloppes. Dommage. C'est ainsi que s'achève ma journée. Bonne année.